Chaque année, les tribunes de la presse, c'est l'occasion de rencontres qui permettent de se poser des questions sur le traitement de l'actualité, prendre un peu de hauteur, un peu de recul. Et dans ce cadre-là, nous avons la chance de recevoir Bernard Guetta. Vous êtes le président d'honneur de ces tribunes de la presse, de cette édition entièrement virtuelle cette année. Donc on a de la chance de vous avoir en présentiel néanmoins ici à la Cité mondiale. Une édition consacrée au monde d'après. On réfléchit déjà au monde d'après. On a encore un peu les mains dans le cambouis, non ? Écoutez, on a un pied en 2020, mais déjà l'autre en 2050 ou en 2060. Parce qu'en vérité, cette année 2020, je pense, je peux me tromper bien sûr, mais je dirais volontiers qu'elle marque le véritable début du 21e siècle. Vous savez, le 20e s'était terminé avec 11 ans d'avance au moment de la chute du mur. La chute du mur de Berlin, de la fin de la bipolarité et de la guerre froide. Et puis, il y aura eu une trentaine d'années, finalement, de recherche, de battement, d'entre-deux. Et puis, on voit là un nouveau siècle s'ouvrir. Alors, on le voit s'ouvrir, évidemment, avec la redécouverte des épidémies et des pandémies. On avait perdu cette idée, en tout cas dans le monde développé. De vulnérabilité, peut-être. De la vulnérabilité, absolument. Vous avez tout à fait raison. Nous pensions que la pénicilline et les antibiotiques nous avaient rendus, je ne dirais pas immortels, mais en tout cas nous avaient préservés de ces grands maux. Eh bien, non. Non seulement ça revient, c'était déjà revenu. Vous savez, souvenons-nous, au début des années 80 avec le sida. Et puis, bon, on s'était dit, oui, non, c'est une exception qui confirme la règle. Mais non, ce n'est pas l'exception qui confirme la règle. Parce qu'après ça, il y a eu un premier virus, le SARS, et puis maintenant, nous avons la COVID, et malheureusement, n'en doutons pas, il y en aura d'autres après. Donc, tous ceux qui veulent effacer cette année 2020, vous leur dites, non, en fait, c'est très important, c'est un départ, c'est une transition. Et, c'est l'un début. C'est un début parce que, alors non seulement il y a ce retour des épidémies, mais regardons, il y avait déjà eu, évidemment, le retour sur la scène économique mondiale de la Chine, qui était devenue une puissance économique de premier plan. Pas la deuxième puissance économique du monde, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, parce que la deuxième puissance économique du monde, c'est l'Union européenne et pas la Chine. Mais bon, fermons la parenthèse. La Chine... En 2020, s'est affirmé, et pas pour le meilleur, s'est affirmé comme une puissance politique et militaire. Elle s'est affirmée en supprimant totalement les libertés de Hong Kong et en faisant dire par ses ambassadeurs à travers le monde, dans toutes les grandes capitales, que son système, c'est-à-dire un système de parti unique dans lequel... Le parti unique a en fait droit de vie et de mort sur chaque citoyen, tout simplement, et ne concède aucune liberté, eh bien que ce système serait meilleur que la démocratie qu'on décrit aujourd'hui à Pékin comme un système faible, peu fiable. Et qui a l'air d'ailleurs un peu à bout de souffle chez nous aussi, dans une certaine mesure. Il y a un désintérêt pour la chose politique. Vous êtes journaliste, mais vous êtes également député européen. Est-ce que vous sentez que justement cette année 2020, elle a aussi un peu secoué finalement les esprits? Est-ce que y a, avec le changement climatique, etc., on a quand même beaucoup de thématiques qui se sont regroupées dans cette année-là. Alors écoutez, oui et non, parce que la fatigue des grandes forces politiques héritées en vérité d'ailleurs du 19e siècle, c'est-à-dire des partis socialistes, les grandes forces de gauche, les partis sociaux-démocrates, et puis les partis de la droite, généralement des partis démocrates chrétiens. Pas toujours, mais généralement parlant. Alors cette fatigue de ces deux grandes forces politiques, elle remonte en vérité au début des années 80. Et puis là, en 2020, moi je dirais qu'on assiste. On ne le perçoit pas encore, mais je vous assure qu'en revanche, dans les couloirs du Parlement européen, on le ressent. Il y a un retour de la volonté politique.
La grande idée depuis le début des années 80, l'idée thatchérienne, était que l'État n'était pas la solution, mais qu'il était le problème. Eh bien, on a redécouvert en 2020 que l'État, loin d'être le problème, était la solution. Je me demande où nous en serions aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les États, les puissances publiques, pour organiser la résistance face à la pandémie et à la crise économique gigantesque, au recul économique gigantesque qu'elle provoquait. Alors vous voyez, là encore, on est à un troisième débarrage. Nous sortons de l'époque du néolibéralisme, idéologiquement parlant, et pour amorcer un retour à Keynes, c'est-à-dire le grand économiste qui avait défendu, avec beaucoup de succès d'ailleurs, à l'époque, le rôle économique de l'État, de la puissance publique, de l'interventionnisme qui était dénoncé par les néolibéraux. Mais vous savez, il y a encore d'autres très très grands changements, parce qu'il y a, on en parlait tout à l'heure avec la Chine, l'affirmation sur la scène non seulement politique mais intellectuelle de forces qui contestent la primauté de la démocratie. Et ça, c'est aussi une chose tout à fait nouvelle. Ça existe y compris dans les démocraties. Et là, ce n'est pas la fatigue de tel ou tel parti politique, de la gauche. Non, c'est la fatigue. Enfin, c'est la fatigue à leurs yeux. C'est la critique, le rejet de la démocratie. Merci en tout cas d'être venu partager avec nous ces éléments. On sent que les débats vont être passionnants. Ah, ils le sont déjà, ils sont formidables, vraiment. Ces trois journées des tribunes de la presse que l'on retrouve donc entièrement sur Internet. Et vous pouvez voir et revoir cet entretien également sur tv7.com. Merci.